La Ligue dit OK pour le coup de l'entrepôt. OK, cool. Mais on s'y prend comment? Étape numéro 1, ta bagnole doit être au top. Retrouve-moi ensuite à notre rendez-vous secret avec la Ligue. On a un rendez-vous secret? Ça le fait, hein? Je t'enverrai l'adresse. Maintenant, go! Yo, c'est Raziel. On peut y aller quand tu veux. Ta bagnole t'attend sur les quais. T'as réussi. Voici Ailey et Manta. Ils sont dans la Ligue. Salut. Allez, au boulot. Il y a une soirée officielle pour le showdown près de l'Observatoire. Tous les médias seront sur place. On va faire un coup d'éclat pour attirer leur attention. Leurs caméras nous suivront jusqu'à l'entrepôt et ça fera les gros titres. On peut y aller. Je viens avec toi. Avec la Ligue, c'est trop génial! Hé, hey, regarde! Je peux regarder les infos sur mon téléphone. Ils ont déjà un journaliste sur place. Tu fais ça juste pour m'emmerder! Merde, j'ai pas eu péter les cervicales! Maintenant tout droit! T'es sûr? On décolle! Je crois que ça marche. Ah, je crois qu'on tourne un reportage. Faites coucou à Ciao Ciao! Gardons plutôt les mains sur le volant. On a fait assez de dégâts comme ça. Dommage, je commençais à m'amuser. Ok, on a l'hélico de la télé qui nous suit. Bon sourire aux caméras! Elle avait l'air chiante, cette fête. Pauvre con, vous avez failli toucher ma voiture. Hé, hey, ciao, ciao, c'est de la conduite de précision. Tout le monde va bien? Oui, ça va, ça va. Quelques boissons renversées, c'est sûr. Mais pas de bobos. Ça va, vous deux, Rivera? Impeccable. J'espère que tu nous mènes à un endroit intéressant. Tu affrontes deux des meilleurs pilotes de la Ligue et tu leur battes le cul. Bon, la presse a mordu à l'hameçon et on se dirige vers l'entrepôt. On n'a plus qu'à rester ensemble pour maintenir leur attention. Combien de temps on doit tenir encore? Disons 30 secondes. Comment je m'éclate là? Et encore, je conduis même pas. La deuxième place, c'est pas dans mes habitudes. T'as une bonne voiture, mais une technique lamentable. On y est presque. C'est de l'autre côté du pont. Enfin! Quand les journalistes verront cet endroit, tout le trafic des flics éclatera au grand jour. Ça va être épique! Surprise, les
placard. Les flics? Mais comment ils ont... Barrons-nous d'ici, c'est une embuscade. Ok. Ça va, Barrière. Où on allait? Je sais, commence déjà par les semer. Tu vois ça? Ils filment l'entrepôt et il n'y a rien dedans. Ils l'ont vidé. Rivera, t'es morte. C'est quoi ce piège à la con où tu m'as entraînée? On essaye de la garder en un seul morceau, ok? La Ligue a de la mémoire. Et ça, elle l'oubliera jamais. La nuit n'était pas censée se passer comme ça. Je suppose que c'est foutu pour la Ligue. Ouais, là, c'est plutôt la prison que j'aimerais éviter. On doit aller semer. Les grands moyens pour semer ses flics, vas-y. J'ai mobilisé quelques unités pour venir vous prêter ma force. Merde, j'étais à fond, mais le suspect nous a quand même semé. Je veux qu'on le retrouve, et plus d'excuses. Mercer a réussi à savoir ce qui se prépare. Qui d'autre savait? Torres nous aurait piégés. Dans quel but? Le problème, c'est qu'ils savent. Proche. Merde! Lucas! Allez, décroche, décroche! Il répond toujours. Faut qu'on rentre au garage. Bon, il a pris large. Vous vous étonnez pas si cette vidéo termine sur les réseaux sociaux ce matin? Sont sur nous. Sans deck. Il faut les semer avant d'aller voir Lucas. Hé, hey, reste sur la route, ok? Sors-nous de là, s'il te plaît. La Ligue a de la mémoire, et ça, elle l'oubliera jamais. J'ai disparu, comme un fantôme. Sortez vos balais et balayez le secteur. Espérons que c'était le dernier. Maintenant, ramène-nous au garage. Lucas! Oh merde! Non! Et tu vas bien? Enblâmé! Sortez! Aide-moi à le détacher! Mais qu'est-ce que... Qui a fait ça? Je crois que c'est moi. Je sais pas à quoi vous jouez, mais faut se calmer, là. Il faut se calmer.
Pousse-toi, Trésor. Ça ne fait que commencer. Écoutez, il a rien à voir là-dedans. Il peut rien pour vous. Anakayade. Tu sais, il paraît que ton frère était une vraie Dolor en el culo autrefois. Mais toi... Merde. Laissez-les tranquilles. Tout vient de moi. Oh, je sais. Crois-moi, je sais. Il y a un paquet de trucs dont t'es responsable. Un gros paquet. Vous deux, suivez-moi. Je suis vraiment désolée, Lucas. Je suis désolée. C'est bon. Hé ! Je vais pas vous le dire deux fois. Non, je vous en prie. Hé, vous les amenez où ? Je les emmène juste au poste. Faut qu'on parle. Toi, bouge pas. Je reviendrai te voir plus tard. On va s'en sortir. Hé, hey, le poste est par là. Où est-ce qu'on va? La ferme. Regardez. Vous l'avez trouvé? Comment? Comment ça, comment? C'était votre piège. Quelqu'un veut savoir qui? On ne dira rien. Tu crois que je rigole? Dites-moi. Vous voulez savoir qui a ouvert sa grande gueule? On dira rien tant qu'on sera pas libéré. Oh, vous allez parler. Parce que je vais vous faire parler. Et vous savez où je vais? Directement chez ton connard de frère. Et on va voir en combien de temps il craque si je me mets à tout péter dans son beau garage de merde. Pas le demander. Allez, allez! Attendez un instant. Juste une seconde. Qu'est-ce qu'il faut? À toutes les unités, un collègue a besoin d'aide. Possible accident à l'angle Poussin-Mémoire. Situation zone. Merde. Un agent est touché. Anna, fonce! On est en présence d'un délit de fuite. Pousse-toi, Trésor. Ce n'est qu'un début. Où est-ce qu'on peut aller? Je connais un spot. Cloud Bank Nord. Évitons de faire trop de grabuge. Cette voiture est encore plus rincée que moi. Hey Dex, tu me rendrais service? Ouais, bien sûr, dis-moi. Tu pourrais aller chercher avec tes potes mes voitures au garage des Rivera et les amener à Cloud Bank Nord? C'est jouable, mais pourquoi? Les flics nous ont à l'œil, on peut pas retourner là-bas. Les clés sont sur le crochet. Va chercher les voitures, je t'enverrai l'adresse quand tu seras en route. T'es avec Lucas? Ouais. Ok. Je sais où c'est. Mais où on va, là? Ça craint rien, je te jure. Il paraît que tu voles du matériel de police. Torres, ton plan a bien failli nous tuer. Donne-moi l'ordi, ne t'en mêle pas. Tu n'as pas idée de ce qu'il contient. Alors là, tu vas me rendre curieux. Donne-moi l'ordinateur. On se recontacte. C'est tout ?
C'est pas croyable. Pourtant, je connais bien ce coin-là. C'est quoi cet endroit? Quand ça bardait à la maison, c'est là que je venais. T'as dû venir souvent? Pas depuis la mort de papa. Lucas, tu me racontes? C'était après une course. Pas indispensable, mais j'aimais tellement ça. Et les flics sont arrivés. Ils m'ont embarqué. Ils m'ont laissé téléphoner. Papa a décroché. Je pensais me faire engueuler, ou plutôt, je pensais à ce que j'allais dire. Mais pour la première fois, il y a pas eu de cri. Du tout. Silence. Il raccroche. 3 heures plus tard, je poireaute. Je me dis, ok, il me fait mariner pour que je retienne la leçon. J'ai passé la nuit dans ma cellule à le maudire. À le traiter de tous les noms pour m'avoir laissé là dans cette situation. Le lendemain matin, un flic se pointe. Il m'annonce sa mort. Crise cardiaque, un peu après avoir raccroché. Désolé de pas t'en avoir parlé. T'as vécu avec ça depuis tout ce temps? J'avais pas trop le choix. Lucas, tu peux pas t'en vouloir. C'est pas ta faute. Ah, si... Si je m'étais arrêté plus tôt, si je l'avais écouté. C'est trop tard. Tu es ici, avec nous, maintenant. C'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui cherchent clairement à nous éliminer. À détruire tout ce qu'on aime. Tout ce que papa a construit. Je les laisserai pas faire. Et toi ? Si on veut les avoir, faut au moins faire en sorte d'avoir la voiture pour ça. Là, on va pouvoir discuter. Je suppose que ça fait partie du plan. Merci à regarder des vidéos sur nous, là-dedans. Il y en a sûrement d'autres qui peuvent compromettre son opération. Assez pour le faire plonger et pour prouver à la Ligue qu'on n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, merde! Faut qu'on le craque, c'est tout ce qu'on a. On va deviner. Il a... Ouais, on va dire que j'ai rien entendu. Ah, et t'as une meilleure idée, peut-être? Moi, oui. Attendez. Alors, on a des problèmes? Dex, merci d'avoir livré la bagnole, mec. T'as fait vite. C'est grave? Écoute, là je dois voir une femme au sujet d'un ordi. Si elle est aussi douée en informatique qu'elle le dit, tu sauras vite de quoi il s'agit.